Il y a un crocodile dans mes pommes. Ah, un requin. Et vous gagnez le prix du meilleur. Arrosons notre magnifique jardin, Barky. Attends un peu. Ce n'est pas un tuyau d'arrosage, c'est un serpent. Aujourd'hui, nous sommes les voleurs d'animaux sauvages. On vole des animaux sauvages et on les relâche dans la ville. Mais Stan, je pensais que nous étions... Chut! Relâchons le tigre. Soit effrayé. Oui, je sais ce qui fait peur à un tigre. Regarde, un grand T-Rex. Morphle encore effrayé. C'est normal, mais tu dois surmonter ta peur. Comme ça, tu deviendras plus courageux et tu auras de moins en moins peur. Maintenant, faisons fuir tous les animaux sauvages de la ville. Bouh. Tu entends ça? Grâce à ces animaux sauvages, tous les habitants restent enfermés chez eux. Ils ont tous peur. Comme ça, on peut exécuter notre vrai plan. Oui, en fait, nous sommes des voleurs de fruits. Cinq fruits et légumes par jour éloignent les maladies. Donc si on mange tous les fruits de la ville, on n'aura plus jamais besoin d'aller chez le docteur. Et le docteur, ça fait vraiment peur. Tu entends ça, Morphle? Nous devons les arrêter. Change-toi en gros crocodile. Un énorme et dangereux crocodile. Voleur, vous n'avez pas besoin de voler tous ces fruits. J'avais toujours peur du docteur, mais j'y allais quand même. Et maintenant, je n'ai plus peur du tout. Parce que quand on surmonte ses peurs, on devient plus courageux. C'est vrai? Bonjour, vous voilà. Entrez, n'ayez pas peur. Il n'est pas du tout effrayant, Stan.